Nous voulons couvrir nos têtes pour la prière. Précieux Jésus, nous sommes ici de nouveau réunis en ton nom ici, dans une grande attente. Que tu puisses déverser sur nous la puissance de transformation de Dieu et que nous puissions en toi et devant toi reconnaître notre place et notre responsabilité. Séparés du monde et consacrés à Dieu, accorde-nous ce soir pour que la bénédiction de Dieu nous accompagne en tout ce que nous faisons et ce que nous disons. Que ton nom soit par cela glorifié. Amen. Nous voulons lire la parole, prier, car je sens que le Saint-Esprit veut que je vous amène, je vous apporte ce soir ce message. Comme texte, comme je l'ai annoncé déjà, c'est Nombre, chapitre 22, verset 31. Nombre, chapitre 22, verset 31. L'Éternel, pendant que vous ouvrez, je voudrais que vous puissiez penser à moi jusqu'à ce que je vous revoie. J'espère, peut-être encore cet été, si quelque chose se passe, que je ne peux pas aller au-delà des mers, alors je reviendrai parmi vous. Mais comme tout semble, le Saint-Esprit va m'envoyer d'une manière qu'il a choisi lui-même. C'est comme ça que nous voulons le faire. Père, nous sommes en train de lire ta parole. Est-ce que tu puisses la bénir pour que nous puissions la comprendre en la lisant? Nous te le demandons dans le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen. Nombre, chapitre 22, verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. Si nous voulons avoir le contexte pour ce texte, pour ce verset, comme sujet, je voudrais utiliser le titre. Arrive-t-il à Dieu de changer ses pensées sur sa parole? Ça, c'est un texte particulier et ici, il y a une grande vérité. Est-ce que Dieu peut dire quelque chose? Et plus tard, après avoir dit quelque chose, le reprendre, l'annuler, le changer. Pourquoi est-ce que j'utilise ce sujet? Parce qu'il y a justement dans la Bible beaucoup qui prennent ce verset pour dire que, donc l'histoire de Balaam, pour dire que Dieu peut changer ses pensées sur sa parole, changer sa parole. Et ces versets sont particulièrement utilisés pour dire cela. Ici, quelque chose, ici, il semble que Dieu dit quelque chose et encore autre chose. Beaucoup ont essayé de faire de Balaam autre chose. Mais il était un prophète du Seigneur. Oui, nous voulons d'abord dire en ce qui concerne le message. Israël était en chemin de l'Égypte en Palestine. Et le Seigneur était avec eux. Et chaque adversaire qui se tenait contre Israël devait être mis de côté. Dieu marchait devant son peuple et a combattu pour son peuple et a chassé les adversaires. Tant que son peuple restait dans l'obéissance et marchant avec sa parole et ses commandements, jamais le travail et l'œuvre étaient trop grandes. Que ce soit des Amalétiques, que ce soit des quoi que ce soit comme peuple, si Israël marchait dans le ainsi dit le Seigneur, demeurait dans la parole de Dieu, ça n'avait pas d'importance. Et comme était fort l'opposition, Dieu a lui-même pris soin que la parole de sa promesse demeure dans toute sa valeur pour Israël et ne manque pas. Le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, est un type de l'Église épouse dans le Nouveau Testament, qui est de l'Église donc dans le Nouveau Testament, qui est sortie du monde et marche vers Canaan, vers le pays de la promesse. Moab est un type de l'Église terrestre, des dénominations. Ici, l'adversaire a été vaincu et il possédait le pays et Moab n'était pas une nation païenne, hein,
Moab était une nation qui servait le même Dieu qu'Israël. Et le pays Moab vient de l'un des fils de Lot qu'il a eu avec sa propre fille. Et ils ont appelé les gens bien vus et ils sont devenus une grande nation. Et Israël venait de la semence d'Abraham, pas de la descendance de Lot. Israël vient d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ensuite, des 12 tribus par Jacob, les patriarches. Car plus tard, il a été appelé Israël. Il avait combattu avec Dieu. Bon, vous, gens qui écoutez ce message par la radio, je ne veux pas être critique, mais le message qui m'a été confié, je dois être fidèle et vous l'apporter, sinon je serai un hypocrite. D'un autre côté, je ne peux rien dire d'autre que ce qui m'a été ordonné de dire. Mais le plus grand adversaire des croyants dans ce jour d'aujourd'hui, ce sont les assemblées organisées. Et je le dis, ils vont s'unir et s'organiser dans la marque de la bête, dans la fédération des églises, s'unir. Jamais Dieu a, dans un certain temps, reconnu une assemblée, une église organisée. Jamais Dieu l'a fait dans aucun âge. Et à chaque fois que des hommes font une organisation, l'Esprit de Dieu les quittait et ne revenait plus parmi eux. Posez la question aux historiques. Et si ils s'organisaient, Dieu les a mis alors de côté et qu'ils puissent avoir beaucoup de membres. Mais jamais il y aura un réveil vraiment de l'Esprit de Dieu parmi eux. Moab est un type justement de ça. Moab était une organisation, une nation organisée dans leur pays. Ils avaient leur propre religion. C'était la même religion qu'avait Israël. Ils étaient Moabites et croyaient en Jéhovah Dieu. Mais ils n'avaient pas reconnu la vérité dans leur époque. Ils représentent l'église terrestre. Israël représente l'église spirituelle dans son voyage de pèlerin. Israël n'était pas une nation organisée tant qu'il suivait Dieu et qu'il restait indépendant. Tant qu'il suivait la colonne de feu. Israël n'avait pas son propre chemin, mais là où la colonne de feu allait, il suivait la même direction. Ils n'étaient pas une nation organisée, mais ils avaient seulement un organisme parmi eux, la parole de Dieu, la circoncision et tout ce que Dieu leur avait ordonné et prescrit. Et tous ceux qui se sont organisés sont tombés et ont rejeté plus tard le Messie. Alors, nous voyons que quand l'église terrestre et l'église spirituelle se rencontrent, l'épouse et les organisations, il y a toujours une contradiction et une bataille. Ça a toujours été ainsi. En cela, nous voyons qu'il y a de la jalousie. Et cette jalousie a apporté les hommes dans un état d'une manière que ils font que réfléchir avec leur compréhension humaine et essayent d'interpréter la parole de Dieu. Nous voyons que tel que c'était autrefois, c'est encore aujourd'hui. Quand Dieu accorde un don à quelqu'un, les autres l'imitent. C'est comme si c'est une compétition et une concurrence qu'ils font. Ils veulent prouver qu'ils veulent montrer qu'ils peuvent faire les choses mieux que les autres, au lieu de travailler ensemble. Mais c'est comme ça que l'autre côté ne peut pas, malgré ses imitations, avoir cette réussite spirituelle. Alors qu'est-ce qu'ils essayent de faire? Ils essayent d'utiliser la politique pour attirer à soi des disciples. Nous voyons déjà au commencement avec Caïn et Abel. Les deux étaient des jeunes hommes ici sur cette terre, mais alors que Abel avait envoyé un sacrifice agréable à Dieu et que Dieu a regardé avec bon plaisir au sacrifice d'Abel et a reçu le sacrifice et lui, c'est ainsi que la jalousie
est monté dans le cœur de Caïn car il était jalousie. Il était jaloux envers son frère. C'est comme ça que cela a commencé déjà au commencement. Quand le naturel et le spirituel se rencontrent, il y a toujours de la jalousie. Et malgré tout, Caïn adorait le même Dieu qu'Abel. Les deux avaient édifié des autels. Les deux avaient apporté le même sacrifice au même Dieu. Mais Caïn, par sa direction, par sa façon de voir humaine, il a apporté, c'est vrai, un sacrifice, mais il pensait sûrement que ce sera une réponse pour Dieu et que cela expiera ses péchés. Comme les gens pensent encore aujourd'hui que c'est une pomme qui était et qui a actionné le péché. Aujourd'hui, ils disent encore autre chose. Mais Abel avait le sacrifice juste. Abel savait que c'était le sang qui doit être apporté pour le pardon des péchés. Et il a apporté un agneau. Et quand Dieu a agréé ce sacrifice, vous voyez, Abel l'a fait par la foi, par la révélation. Il n'y avait pas encore de Bible écrite. Le commencement de la justice a constitué en ce que Dieu a révélé la vérité au adorateur. Toute l'église du Seigneur est fondée sur la révélation. Jésus-Christ avait demandé une fois à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Qu'est le Fils de l'homme? Les gens disent, tu es Élie, tu es Jérémie, bien des prophètes. Et il a posé la question, mais qu'est-ce que vous dites que je suis? Et Pierre, inspiré par le Saint-Esprit, vivifié, il a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Béni sois-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais mon Père céleste qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Et sur ce rocher, quel rocher? Les catholiques disent que Pierre était le rocher, était le roc, la pierre. Les protestants disent que Christ est le rocher. Mais c'était la révélation que Pierre avait reçue. Jésus disait que personne ne peut venir à moi si ce n'est que le Père ne l'attire d'abord. Et tous ceux qui viennent à lui, je vais les recevoir et ne vais pas les rejeter. Vous voyez, la chair et le sang ne t'a pas révélé ces choses, mais mon Père qui est au ciel. Et sur ce rocher, je bâtirai l'église, mon église, et les portes du démon ne pourront pas contre elle. La parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, c'est sur cela que l'église est fondée. Abel, dans la foi en Dieu, a apporté un sacrifice agréable à Dieu. Mais le croyant naturel, il veut toujours lui-même apporter le fruit de son travail, le fruit du champ. Et déjà, il y a eu des désunions. Nous voyons aussi entre Abraham et Lot, il y a eu aussi des désunions. Nous voyons aussi entre Moïse et Dathan et Corée, il y avait aussi des désunions. Moïse, un prophète ordonné de Dieu, avec la parole du Seigneur et confirmé par le Seigneur qu'il avait été appelé et envoyé, commissionné et élu pour être le conducteur du peuple par des signes et des miracles. Moïse avait fait exactement tel que Dieu l'avait montré et ordonné. Mais Corée, qui seulement pensait de manière charnelle et humaine, il voulait prendre un groupe de personnes pour faire une organisation. Mais Dieu ne se conduit jamais de cette manière. Et Dieu ne va jamais utiliser une organisation pour confirmer sa parole. Et ça a toujours été ainsi. Et c'est comme ça que l'organisation est présentée. Tel que Corée avait déjà l'organisation, c'est comme ça que déjà il a prétendu que tous sont saints. Et que ce n'est pas seulement Moïse qui a un appel. Et que ce n'est pas lui seulement qui a le droit de prêcher. Il a dit, mais tu fais de toi quelque chose de grand. Et tu penses que nous tous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Moïse a tourné sa face et a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Moïse a dit, sépare-toi d'eux. Et il les a, et Dieu les a engloutis. Oui, c'était une désunion. Quand la pensée humaine se rencontre avec la pensée spirituelle, il y a toujours des désunions. Alors que Judas et Jésus s'étaient rencontrés là-bas, il y a eu aussi des désunions. L'un le fils de Dieu et l'autre le fils du diable. Comme avec Caïn et Abel. Judas était le trésorier et Jésus était le berger.
Vous voyez, et maintenant nous arrivons dans ce temps, dans notre temps, au même point et à la même chose qui se répète. Nous voyons dans notre temps une dénomination charnelle, humaine et une église épouse spirituelle du Christ. L'église épouse spirituelle du Christ est différente. Elle a les pensées de l'époux et les organisations humaines ne peuvent pas être comparées à l'église épouse. Reconnaissez que le naturel essaye toujours d'imiter le spirituel. Mais comme avec Jacob et Ésaü, cela ne va jamais fonctionner et réussir. Non. Si cela dépendait des œuvres, peut-être même qu'Ésaü était un homme mieux que Jacob. Il a pris soin de son père aveugle et il a pris soin de son père, Ésaü. Ésaü était malgré tout seulement un homme charnel. Il voulait faire quelque chose de bien. Mais Jacob, toute son âme, pour lui, il s'agissait de recevoir le droit de naître. Vous voyez, c'est ça qui est important. Mais toujours, le naturel a haï le spirituel. Caïn a haï, Abel, Corée a haï, Moïse, Judas a haï. Jésus, toujours de nouveau, le naturel a haï le spirituel. Tel que c'était au commencement là-bas avec Caïn et Abel. Ils ont essayé de le détruire. Ils essaient toujours de détruire l'influence. Et c'est tout. Et tout. Et qu'est-ce que c'est? C'est seulement la jalousie qui est en eux et la destruction. Aujourd'hui encore, c'est la même chose. Quand le naturel et le spirituel se rencontrent, ils essayent de détruire l'influence de la parole originale de Dieu. Regardez, la jalousie, ça vient de Satan. Et malgré tout, ils essayent de personnaliser, d'imiter la vérité. Combien de gens nous en avons et nous en avons vu dans ce temps, des jours derniers dans lesquels nous sommes. Nous voyons que Dieu ne change jamais sa pensée sur sa parole originale. Celui qu'il a appelé, il le détermine à prêcher sa parole. Chaque personne pouvait prendre la place de Moïse. Ça n'avait pas d'importance combien de Corée, de Dathan avaient déjà essayé de le faire. Mais si les gens ne veulent pas agir dans la volonté parfaite et originale de Dieu, Dieu va quand même leur permettre d'agir dans sa volonté permissive. Mais sa gloire sera seulement manifestée dans sa bonne et parfaite volonté. Par exemple, comme au commencement, Dieu ne voulait pas que des hommes naissent par le sexe. Dieu, avec former l'homme après l'avoir créé de la poussière de la terre, et ça avait été la volonté de Dieu originale de multiplier les hommes de cette manière. Mais après la chute de l'homme, Dieu a permis que les hommes se multiplient d'une autre manière et remplissent la terre. Mais ce n'était jamais sa parfaite volonté bonne et agréable, comme c'est écrit dans Romains chapitre 12. C'est pour cette raison que telles que toutes ces choses-là ont eu un commencement, elles auront une fin. Et tout le péché sera entièrement détruit et disparaîtra. Mais ensuite, quand la résurrection viendra, alors nous n'aurons plus besoin d'être engendrés par père et mère, mais Dieu lui-même va appeler les hommes à sortir, l'homme et sa femme à sortir, les hommes et leurs femmes à sortir de la poussière de la terre. C'est comme ça que c'était au commencement. Vous voyez, Dieu ne change jamais ses pensées sur sa parole. Et malgré tout, il permettra que vous marchiez comme vous voulez marcher. C'est un détour que je fais avant d'arriver en fait à dire ce que je dois dire. Dieu va vous permettre de faire quelque chose qui n'est pas juste et même vous bénir dans ce que vous faites, quoique ce n'est pas juste, quoique ce n'est pas sa propre volonté agréable et parfaite. Il vous bénira même. Dieu avait donné à Israël la loi. C'était la colonne de feu parmi eux. Le rocher frappé parmi eux. Et malgré tout, ils voulaient la loi. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu leur donnait la loi. Et malgré tout, parce que les hommes le voulaient, il leur a donné cette loi. Et les hommes ont été maudits dans cette loi que Dieu leur a donnée. Et condamnés. Nous devrions prier que ta volonté soit faite, que ton règne vienne.
Nous devons pouvoir nous donner entièrement sa volonté et ne pas remettre en question sa parole, mais nous comporter en accord avec sa parole originale. N'essayez pas de trouver un moyen de vous dévier de la parole originale de Dieu. Vous pouvez et de chercher un autre chemin quelconque. Vous verrez que Dieu vous bénit, mais vous n'êtes pas dans sa volonté divine parfaite, en accord avec les saintes écritures, mais vous êtes dans sa volonté permissive. Mais ce n'est pas sa volonté parfaite, quoique vous pouvez être béni. Vous voyez, par exemple, et de recevoir des enfants par le sexe. Mais nous allons revenir à Moab. C'était une génération pervertie. Nous voyons que c'était un père qui était croyant et une fille. Et si vous prenez cela en type, Lot et sa fille, et que vous êtes spirituel, vous verrez en cela le commencement des dénominations. C'est-à-dire que depuis le commencement, tout est déjà faux. Et si cela commence ainsi, ça ne va jamais cesser. C'est comme quelque chose qui commence et qui devient toujours plus grave. Nous voyons que quelqu'un qui reçoit déjà une fausse doctrine et un mensonge, il ne va plus arrêter, il va en recevoir et en recevoir. C'est comme ça que ça commence avec le conseil le concile de Nicée. Nous voyons l'église catholique dans son commencement. Et si vous repartez à la Pentecôte originale, à l'église primitive, là-bas, c'était pas ainsi. Mais ils ont commencé à prier pour les morts, ils ont commencé à se donner des titres, etc. Et ils ont commencé à croire à un mensonge l'un après l'autre. Vous voyez d'où est-ce que cela vient? Aujourd'hui dans l'église, il n'y a pas une seule chose qui pourrait représenter la Pentecôte. Il n'y a rien qui pourrait être semblable à l'église primitive. Il s'agit de mettre de l'ordre, de jeter tout cela dehors et de revenir à l'église primitive en toutes choses. Regardez Martin Luther. Il a commencé avec la justification. Et ensuite, aujourd'hui, l'église luthérienne devrait être entrée déjà dans la perfection. Mais les hommes se sont organisés et l'Esprit de Dieu est sorti de parmi eux. Ici, nous voyons ce groupe. Moab vient de cet enfant que Lot a eu avec sa fille. Moab représente ici les dénominations naturelles et Israël représente l'église spirituelle. Israël représente l'épouse. Dans cette époque d'autrefois, ils ont été conduits à sortir d'Égypte et Dieu avait confirmé que la vérité était parmi eux. Quoique les deux apportaient des sacrifices, les deux avaient construit des autels, les deux adoraient et rendaient témoignage que la venue du Messie est proche. Là-bas, il y avait Israël dans la vallée et Moïse et Moab sur la montagne. Et les deux avaient construit sept autels et sept sacrifices avaient été apportés. Et sur les différents autels, des sacrifices avaient été apportés, que ce soit sur les sacrifices, sur les autels de Moab et d'Israël. Fondamentalement, ils faisaient extérieurement, ils faisaient la même chose. Mais Moab n'avait pas la confirmation de Dieu parmi eux. Moab était seulement une nation bien vue, un groupe bien vu. Mais Israël avait un prophète, avait un message, avait le rocher frappé, avait la colonne de feu, avait le serpent d'airain érigé. Ils avaient les bénédictions de Dieu parmi eux. Israël était le peuple appelé à sortir de Dieu pour former l'église. C'est ainsi que nous voyons que cela, en tant que type, peut être rapporté parfaitement aux églises. À l'église. Israël allait d'endroit en endroit, de région en région. Là où la colonne de feu allait, ils allaient. Mais Moab était resté là fixe en un endroit. Comme une dénomination. Ils allaient plus de l'avant. Ils restaient là. Ils sont restés. Ils se sont organisés. Ils ont fixé ce qu'ils devaient faire. Ils avaient leur roi, etc. Moab s'était fixé dans une région, restait là. Mais Israël se déplaçait. Et Moab a vu que Israël avait quelque chose qu'ils n'avaient pas. Moab voyait que la puissance de Dieu était parmi eux. Ils voyaient le prophète puissant de Dieu parmi eux. Et ils ont pensé que quand avec Israël il y a quelque chose qui n'allait pas, Moïse levait la verge et déjà tout était réglé. Moab n'avait pas cela.
Alors Moab a essayé d'inventer cela, d'imiter cela et d'atteindre cela par la politique. Et ils sont allés dans un autre pays. Et ils sont allés chercher un prophète pour que eux aussi, ils aient un prophète parmi eux. Comme Israël avait un prophète. Ils ont essayé d'imiter. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est la même chose avec les dénominations, avec les esprits religieux aujourd'hui? Est-ce que vous ne voyez pas l'église terrestre d'aujourd'hui qui essaie d'imiter? Ils sont charnels. Reconnaissez. Les deux avaient maintenant des prophètes. Avaient maintenant un prophète. Moab et Israël. Mais la différence, c'est que Moïse était un prophète de Dieu. Son roi était Dieu. Et il recevait de Dieu la parole du Seigneur et les ordres à exécuter. Mais Balaam avait un roi et c'était Balak son roi. Et Moab et Balaam recevaient ses ordres de Balak, pas de Dieu. Et Balak était son roi. Et il a été dit, Balaam, viens et maudis-moi ce peuple. Car il se propage partout dans le pays. Ils viennent et rongent et mangent tout comme des moutons le gazon. Et si je comprends, je sais que ce que tu maudis est maudit et ce que tu bénis est béni, disait Balak à Balaam. Ce que tu reconnais est reconnu. Et nous reconnaissons que cet homme était un prophète déterminé de Dieu, mais il a vendu son droit d'aînesse à cause de la politique et à cause de l'argent, comme l'église aujourd'hui le fait. Et déjà, sous Wesley et les pentecôtistes, ils l'ont fait. Ils vendent leur droit d'aînesse à cause de l'organisation. Moïse sous Dieu, Balaam sous Balak, deux des hommes de Dieu appelés les deux étaient spirituels. Chacun d'eux avait une tête, avait un chef. La tête de Moïse c'était Dieu, la tête, le chef de Balaam c'était Balak. Et ici pour montrer comment est-ce que on peut utiliser cela de manière spirituelle pour montrer que le charnel est faux. Moïse marchait sur le chemin ordonné de Dieu et il rencontre un autre prophète et il est défié par un autre prophète. Moïse appelé de Dieu, établi par Dieu, commissionné par Dieu sur le chemin que Dieu lui a déterminé à suivre. Et voilà qu'il est défié par un autre prophète. Un autre prophète de Dieu. Comment est-ce que vous pouvez alors me dire la différence? Des deux côtés, c'était des prophètes. Et Dieu parlait avec les deux. Et si Dieu disait quelque chose, alors cela était exécuté. Mais la différence consistait à ce que Balaam n'exécutait pas la parole de Dieu dans la pensée de Dieu, en accord avec la volonté parfaite de Dieu. Et si quelqu'un est un prophète, et que ce qu'il enseigne, ce qu'il dit, n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors il est en dehors de la volonté parfaite de Dieu, sa prédication, etc. Même s'il pouvait parler la langue des anges, et connaissait tous les mystères, et pouvait, par ma foi, dépasser des montagnes, et je pouvais vendre tout pour donner aux pauvres, et je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, beaucoup viendront et diront en ce jour, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas cela? Il leur dira, arrière de moi, vous ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Et malgré tout, ils viennent avec la confession de ce qu'ils ont fait. Jésus-Christ a dit, vous êtes ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce que c'est? Une œuvre unique. Jacques 4, verset 17. Vous savez, vous... C'est de savoir faire ce qui est bien et de ne pas le faire. Jacques 4, verset 17. Beaucoup sont dans ces choses. Je vous ai dit qu'on va terminer à 9h, mais j'espère que c'est l'objectif de ma présence ici, c'est pour vous montrer que Dieu garde sa parole pour être Dieu. Il ne change jamais sa parole. Ce qu'il a dit, il le confirme, il le garde. Regardez, les deux étaient spirituels, les deux étaient des prophètes. Les deux avaient un appel. Moïse marchant sur le chemin de son obligation. La colonne de feu allait devant lui tous les jours. Et il était en chemin, en voyage. Et Dieu, et là-bas, un autre serviteur du Seigneur, appelé de Dieu, établi par Dieu, un prophète à qui la parole du Seigneur venait. Ici est la lignée dangereuse. Personne ne peut renier que Balaam était un prophète. Car l'Esprit de Dieu, c'est ainsi que la Bible dit, parlait avec Balaam, il était un prophète. Mais quand il avait vraiment reçu la réponse de Dieu et savait ce qu'il était bien, il n'a pas fait.
il est malgré tout allé défier Moïse, alors que Balaam de son cœur auparavant avait cherché la volonté de Dieu de son cœur. Comme c'est écrit dans Ésaïe 58, les premiers versets. Et tous ces grands hommes sont venus à lui, Balaam et Balak le roi. Ils lui ont dit, Balak le roi nous a envoyé vers toi pour que tu puisses venir à lui pour maudire ce peuple. Car il se propage partout et il renverse tous les royaumes sur leur chemin et il veut que tu viennes comme le roi l'exige pour maudire ce peuple. Vous voyez, il était un serviteur de Dieu. Car ce qui bénissait était béni. Lui, en tant que prophète, il disait, je dois d'abord chercher la volonté de Dieu. Ça, c'est l'obligation d'un prophète. D'abord, consulter Dieu. Chercher sa volonté parfaite. Ça, c'est l'objectif du ministère d'un prophète. Il doit le faire. En tant que prophète, la parole du Seigneur vient à lui. Jamais la parole du Seigneur vient à un théologien. Non, ils sont ceux-là qui justement mettre la confusion dans la parole. La parole de Dieu vient toujours au prophète de Dieu. Ici, il y a un homme qui était un prophète et qui est un prophète, mais d'abord, alors qu'il avait été loué pour maudire le peuple de Dieu, et malgré tout, il avait cherché auparavant la volonté parfaite de Dieu. Et Dieu lui a répondu et lui a donné de connaître sa volonté parfaite. Quelle était la volonté parfaite de Dieu? Ne va pas, Balaam. Ça, c'était la volonté parfaite de Dieu. Ne va pas. Ne va pas pour maudire, pour combattre mon peuple. Vous voyez, aujourd'hui, les gens veulent se disputer. Quoi qu'ils voient que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Des années, ils ont essayé, par exemple, de changer les choses. Vous ne pouvez pas maudire ce que Dieu a béni. Vous ne pouvez pas le faire. Car c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu est béni. Quoi qu'il voie, l'Esprit de Dieu agir parmi eux. Et voilà maintenant ce prophète loué par le roi Balak parmi ses hommes. Et la volonté de Dieu lui avait été révélée. Ne maudis pas ce peuple car j'ai béni ce peuple. Il n'y a aucun théologien sous le ciel qui pourrait renier ce message et qui pourrait pas dire que c'est la pure vérité. Dieu a confirmer ce message par des signes et des miracles parmi nous. Il n'y a aucun théologien, aucun prophète, aucun lecteur de la Bible, même s'il était un prophète. Il verrait la même chose. S'il ne voit pas la même chose, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de faux. Ouais, vous pourriez dire, peut-être que c'est le contraire. Mais Dieu avait confirmé Moïse. Et qu'est-ce que c'était? La parole de Dieu avait été confirmée. Et Balaam avait entendu aussi la décision claire de Dieu. Ne va pas. N'essaye pas de maudire. Ce que moi j'ai béni, c'est mon peuple. Mais Balaam n'aimait pas ces hommes. Quoi qu'ils étaient le peuple de Dieu. Oh, combien de Balaam existent aujourd'hui qui n'aiment pas le peuple de Dieu. Ils n'aiment pas ce groupe des élus. Quoi qu'il avait entendu la décision claire de Dieu, ne va pas. Alors cela s'est passé comme Corée et Dathan, c'était la jalousie. Et il voulait maintenant chercher une raison pour pouvoir aller, pour pouvoir malgré tout partir. Car sa dénomination, son centre, son quartier général, ils lui ont dit, nous n'avons rien à voir à faire avec cela. Mais si Dieu dit que c'est mon peuple, cela devrait suffire. Même si sa dénomination lui dit que nous n'avons rien à faire avec ce groupe. Et dans son cœur, il ne les aimait pas. Ils n'appartenaient pas à son groupe et tout ce qui n'appartenait pas à son assemblée était faux. Vous voyez? Mais malgré tout, il y avait beaucoup de ceux qui se passaient parmi eux. Et ils pensaient, Dieu va maudire ces gens. Ils ne sont pas instruits et ils ne sont pas de notre assemblée. Nous sommes instruits, nous sommes le peuple de Dieu, etc. Hein, c'est ce que Balaam pensait. Regardez tous ces groupes d'esclaves. C'est ce que Balak et tous ces hommes passaient. Tous ces gens qui sont sortis de l'Égypte. Qu'est-ce que Dieu veut avoir à faire avec eux? Mais ils ne voyaient pas que parmi eux, il y avait le rocher frappé. Il y avait la colonne de feu. Ils ne voyaient pas ça. Ils ne voyaient pas toutes ces choses. Ils ne voyaient pas l'appel de Dieu et l'élection que ces hommes portaient. Et la grâce était avec eux.
Alors qu'il voulait maudire, Dieu l'a dit, ne le fais pas. C'est mon peuple. Laisse-les tranquilles. Ne les touche pas. Oui, l'homme s'est retourné, est reparti. Maintenant, faites attention. Il était dans la dénomination, son quartier général. Ils ont envoyé encore un autre groupe encore plus influent à Balaam pour qu'il puisse encore l'influencer. Peut-être un cardinal, ou bien avec un archevêque de toute une région, tout un groupe qui ont plus d'instruction et d'influence. Ils l'ont envoyé encore à Balaam pour l'influencer. Vous voyez, ils ont essayé maintenant de passer par les sentiments et d'essayer d'utiliser sa tête de l'influencer. Nous croyons simplement la parole de Dieu de tout notre cœur. Nous n'essayons pas d'expliquer les choses avec notre compréhension humaine. Non, la foi est quelque chose que nous avons reçu de Dieu. Nous ne savons pas comment est-ce que cela se passe, et malgré tout cela se passe. Parce que c'est la promesse de Dieu. Je le crois, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas essayer d'expliquer la guérison divine, mais nous croyons que Dieu guérit et cela se passe. Ça n'a pas d'importance comme cela semble être. Dieu le dit et nous le prononçons. Et cela arrive. Et je me rappelle, alors que mon prédicateur baptiste me disait, Billy, tu vas parler aux piliers de l'église, mais pas à des hommes. Tu veux prier pour les rois et des gens vus et parler à des masses. Je lui ai dit, Dieu me l'a dit et cela va s'accomplir ainsi. Vous voyez? Et il m'a dit, le sujet sur la guérison divine. Comment est-ce que tu voudras avec tes années cette année d'école de primaire, comment est-ce que tu veux parler à des intellectuels et à des rois et à toute la masse? Je lui ai dit, Dieu m'a envoyé et lui-même prendra soin et combattra pour moi. Et qu'est-ce que je vous ai dit? Comme Dieu m'avait donné et m'avait promis ses dons. Et comment est-ce que tout cela s'est accompli? Vous me demandez, mais comment est-ce que cela se passe? Je ne le sais pas non plus. Mais je sais une seule chose, c'est que cela se passe et arrive. Tel que Dieu l'a promis et l'a dit. Comment est-ce que ça pourrait être? Alors que Dieu disait à Élie, j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. Comment est-ce que des corbeaux peuvent envoyer à un prophète une nourriture déjà préparée? Déjà préparée. Comment est-ce que cela devrait se passer? Et malgré tout, cela s'est passé. Cela est arrivé. C'était déjà préparé. Il avait seulement besoin de manger. Comment est-ce que cela se passe? Mais je ne sais pas. Mais cela arrive. Parce que Dieu l'a dit. Dieu l'a dit et ça me suffit. Dieu a appelé le ciel et la terre à l'existence. Il a envoyé son fils et il ressuscite les morts. Il sauve. Je ne sais pas comment tout cela se passe, mais ils se sont passés. Comment est-ce qu'il vous a sauvé? Comment cela s'est passé? Il m'a guéri de ma maladie. Il a promis de le faire. Et il confirme sa parole. Nous n'avons pas besoin d'expliquer les choses. De tout notre cœur, nous croyons. Dieu et Balaam aurait dû savoir toutes ces choses. Et voilà, tout un groupe influent est venu à lui. Ils avaient des meilleurs talents et des dons. Et peut-être qu'ils avaient une position vraiment élevée. Et ils lui ont proposé une haute position. Ils lui ont proposé d'être vraiment le prédicateur d'une grande assemblée. Et ils lui ont proposé une grande position dans l'église, bien sûr. Ils étaient capables de le faire monter et de le rendre vu et populaire parmi les hommes. Mais Moïse était un prophète de Dieu. Il avait reçu il recevait ses ordres de Dieu directement. Et Dieu l'envoyait et il marchait devant Dieu pour que le peuple d'Israël puisse entrer en possession du pays. Pour Moïse, il ne s'agissait pas d'une position. Balaam avait reçu la parole contenant la volonté parfaite de Dieu. Et malgré tout, il a dit à ceux qui lui avaient été envoyés, restez ici cette nuit encore et je vais consulter Dieu. Vous voyez, un tel groupe va toujours vous faire sortir de la volonté parfaite de Dieu. Mais Job n'a pas permis à ce groupe de le faire sortir de la volonté parfaite de Dieu. Mais Balaam voyait la vision et malgré tout, il a permis qu'on le fasse sortir de la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'il avait prêté son oreille à ce qu'il disait. Moïse, lui, il est resté attaché à ce que Dieu avait dit. Bon, Balaam, il voulait chercher une excuse. Vous voyez? C'est comme ça que vous arrivez de cette manière au deuxième rang. Vous voyez, combien de vous, par exemple, veulent transformer Matthieu 28, verset 19, veut l'utiliser Matthieu 28, verset 19. Combien
et veulent pas comprendre Luc 17, verset 30 et la parole de Malachie concernant Élie. Et combien ils utilisent cela de la mauvaise manière. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu connaît vos cœurs. Balaam avait utilisé ce texte à cause de sa conscience. Il voulait de l'argent, il voulait être vu, il voulait avoir la position pour être vu comme pour être appelé docteur tel et tel. Et il avait dit, je vais encore une fois consulter Dieu. Combien de Balaam existent encore aujourd'hui? Il leur a proposé et promis une meilleure position. Et ils trompent leur conscience quand quelque chose de mieux leur est proposé. Aujourd'hui, on leur dit, oh, tu es un homme bien, mais tu ne peux pas prêcher ici, chez nous, cela, parce que le docteur tel et tel a une autre opinion. Vous voyez? Mais alors, tout de suite, on leur propose une meilleure position pour les conserver et ils trompent leur conscience. Oh, vous, Balaam, si vous connaissez la volonté de Dieu, mettez-la en pratique parce que Dieu ne va pas changer ses pensées sur sa parole. Si vous la connaissez, si vous savez ce qui est bien, faites-le. Dieu révèle sa parole et la révélation de sa parole est la vérité. Combien de Balaam sont ici? Alors, il est venu le deuxième soir et là-bas, il y avait ces gens bien vus. Et Dieu avait laissé partir, quoique il n'avait pas changé sa volonté. Il lui a permis de, malgré tout, de partir. Il lui a même dit de partir alors que ce n'était pas sa volonté. Mais Balaam devait constater que qu'il ne pouvait pas maudire le peuple. Dieu savait ce qui était dans le peuple, dans le cœur de Balaam. Quoi qu'il était un prophète, il haïssait le peuple d'Israël. Et parce qu'il était revenu demander, consulter Dieu pour la même chose pour laquelle Dieu lui avait déjà répondu. Dieu l'a laissé partir, quoique il lui a même dit de partir, quoique il n'avait pas changé sa volonté. Et ces gens qu'il considérait comme fanatiques, il voulait les maudire. Parce qu'il n'avait rien à faire avec eux. Et il voulait le faire pour pouvoir être mieux vu et avoir une meilleure position. Dieu va vous accorder la volonté de votre cœur, la volonté de votre cœur, le désir de votre cœur. C'est ce qu'il a promis, même si cela n'est pas sa volonté parfaite. C'est pour cette raison que votre désir, que le désir de votre cœur soit la volonté de Dieu et soit la parole de Dieu. Et si vous demandez quelque chose qu'il ne vous l'accorde pas tout de suite, remerciez-le quand même, car il sait ce qui est bien pour vous. C'est écrit dans Job 23, verset 12 et Jérémie 17, verset 10. Il vous accordera la volonté de votre cœur. Bien sûr, comme avec Ézéchias dans 2 Rois, chapitre 20, vous pouvez lire tout le chapitre. Le prophète lui avait dit, donne tes ordres à ta maison quand tu vas mourir. Il était malade. Et cet homme a tourné son visage contre le mur et il a prié et Dieu l'a exaucé et a parlé au prophète. Et il lui a prolongé encore ses jours de 15 ans. Mais pendant ces 15 ans, quelle opprobre! Et il a mis sur le peuple et le nom du Seigneur. Ça aurait été mieux s'il avait accepté de tout son cœur la première décision de Dieu pour lui, c'était de mourir. Et c'était difficile pour le prophète de repartir au roi et de lui dire qu'il ne va pas mourir. Qu'est-ce que Balaam a fait? Il savait très bien ce qui était bien à faire. Il connaissait la volonté parfaite de Dieu et malgré tout, il était malgré tout décidé à ne pas la faire. Mais Dieu ne change pas ses pensées sur sa parole. Et Dieu l'a malgré tout laissé partir. Dans sa volonté permissive. Comme c'était avec Thomas. Il a dit, si ce n'est que je mets ma main moi-même sur son côté, sinon je ne croirais pas. Oh, Thomas disait alors, mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur l'a dit, Thomas, tu crois parce que tu as vu. Heureux sont ceux qui ne voient pas et qui croient. Vous voyez, combien ne croient pas qu'ils ont reçu le Saint-Esprit s'ils ne parlent pas en langue. Je crois au parler en langue. Moi-même, je l'ai reçu, je l'ai. Mais vous pouvez parler tant que vous voulez en langue. Et si vous reniez, ne croyez pas à cette parole et ne croyez pas ce que Dieu a dit, vous n'allez pas malgré tout atteindre le but. Si vous ne mettez pas cette parole, je viens voir. Comment est-ce que vous pouvez renier la parole de Dieu? Moi-même, je l'ai parlé en langue. Mais cela n'est pas un signe que vous êtes un enfant de Dieu élu. Non, jamais. Beaucoup viendront ce jour et diront, n'ai-je pas prophétisé? Et faites toutes ces choses en ton nom. Si vous parlez en langue et que vous ne vous laissez pas baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, alors il y a quelque chose qui est faux avec vous. Ça n'a pas d'importance. Quelle
Combien de dons vous avez versés? Montrez-moi un seul verset dans la Bible où une personne aurait été baptisée dans les trois types. Mais, seulement à cause de votre conscience, oui, vous dites ensuite, pourquoi est-ce que tu dis toujours que les femmes ne doivent pas porter d'habits d'hommes et couper leurs cheveux, etc. Et malgré tout, elles le font. Mais aujourd'hui, on prend quelque chose qui est bon pour la compréhension et qui frappe aux yeux. Mais les décisions de Dieu demeurent originales. Elles ne changent pas. C'est pour ça que c'est faux. Si vous essayez de chercher une excuse, bon, il s'agit de marcher dans la volonté parfaite de Dieu ou alors est-ce que vous marchez dans sa volonté permissive? Dieu n'a pas changé sa pensée sur sa parole. Sa parole demeure éternellement. Mais, même si vous faites quelque chose qui est contre sa volonté, et que si vous vous comportez de cette manière, comme par exemple avec Moïse, Dieu avait dit à Moïse, et pour la deuxième fois, va et parle au rocher, car le rocher avait déjà été frappé. Et Moïse a frappé pour la deuxième fois le rocher, parce qu'il était en colère, comme si Christ aurait dû être frappé deux fois. Vous voyez, Christ a été frappé une seule fois. Et Dieu a accordé assez d'eau. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu avait dit à Moïse, viens ici, sur cette montagne. Tu étais un serviteur fidèle. Regarde de l'autre côté, là-bas, est le pays de la promesse. Mais toi, tu n'y rentreras pas. Vous voyez? Car tu n'as pas exécuté l'ordre que je t'ai donné. Tu t'es glorifié toi-même devant les hommes, mais ce n'est pas moi qui t'ai glorifié, parce que tu n'as pas gardé ma parole telle que je te l'ai dit, mais la parole avait été accordée. Vous pouvez imposer les mains aux malades, vous pouvez, et ils seront même guéris, vous pouvez prophétiser, et cela pourra même s'accomplir. Mais Dieu, vous devez savoir qu'il reste, il ne change pas sa volonté, et il ne change pas ses pensées. Sa parole demeure éternellement. Si aujourd'hui Dieu a ses disciples, alors il leur accorde le même ordre, aller dans le monde entier, et prêcher l'évangile, et baptiser. Dieu ne peut pas changer ta parole. Il ne peut pas changer ta parole. Il ne peut pas se changer non plus. Il reste le même. Vous voyez, Balaam, il ne peut pas changer. Malgré tout, c'est Balaam. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ils disent oui. Nous savons que la Bible dit que nous devons baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais regardez tous les autres baptisent dans les titres. Ça n'a pas d'importance. Il n'y a pas un autre nom qui aura été donné aux hommes sous le ciel pour être sauvés en dehors du nom de Jésus. Nous devons revenir à la parole originale de Dieu. Car l'obéissance à sa parole est mieux que tous les sacrifices. Balaam avait le don. Il avait la foi. Il aurait dû utiliser cette foi et ce don qu'il avait pour ramener les hommes à la parole de Dieu originale. Vous qui avez des dons de guérison, vous qui avez des dons de prophétie, vous pouvez utiliser vos dons dans le royaume de Dieu, dans la volonté parfaite de Dieu, les exercer dans la volonté parfaite de Dieu. Mais pour être populaire, et pour être vu à cause de vos intérêts, vous vendez vos dons et vos droits de naissance à une organisation, à une assemblée, comme Balaam. C'est la même chose encore aujourd'hui, avec les pentecôtistes aussi. Nous savons qu'ils ont vendu leurs droits de naissance. Les femmes disent qu'elles ont le Saint-Esprit. Elles portent, elles s'habillent comme le monde, semblable au monde, avec des habits courts, etc. Les hommes laissent les femmes devant la chair, avec des cheveux coupés. Si vous voulez savoir comment est-ce que nous sommes arrivés, dans quel état la politique est, etc. Et l'état, regardez les Juifs, regardez Israël, ce que Dieu a fait en eux. Observez. Mais si vous voulez savoir dans quel état une église, une assemblée se trouve, regardez comment est-ce que les sœurs s'habillent. Car une femme, une église, dans la Bible, une femme, l'église est représentée par une femme. Une femme par l'église. Mais si elles sont maquillées comme Jézabel et elles se comportent à ce monde et à ce siècle présent, alors vous pouvez savoir dans quel état l'église et l'assemblée se trouvent. Si vous voulez regarder la morale des femmes. Et si vous voulez regarder l'état national d'un pays, regardez aux Juifs. Balaam connaissait la décision de la parole de Dieu. Il lui avait été dit ne va pas. Et malgré tout, puisque Dieu avait vu ce qui était dans son cœur, Dieu l'a malgré tout laissé partir. Ça peut être la même chose avec nous. Oui,
Vous pouvez être vu. Vous pouvez avoir un grand ministère. Et malgré tout, cela ne sera pas sa volonté. Même si vous allez bien, vous avez de la réussite. Balaam avait de la réussite. Il allait bien, mais il ne pouvait pas maudire. Quand il voulait essayer de le faire, il devait malgré tout bénir. Mais quand il s'agissait d'être vu et d'avoir de la popularité et d'avoir de la réussite, alors il allait quand même. Et malgré tout, parmi le peuple de Dieu, il a fait en sorte qu'ils ont commis adultère avec les peuples et des nations. Vous voyez? Il a dit, nous avons le même Dieu, nous avons le même Jéhovah. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas vivre avec nous? Et la Bible a dit que nous ne devons pas être sous un même joug avec les infidèles. 2 Corinthiens chapitre 6. Sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez à rien d'impur. Dit, ordonne le Seigneur. Mais il a apporté le peuple à se comporter contre la parole de Dieu. Balaam est descendu et Dieu lui a permis d'aller parmi le peuple. Et il a conduit le peuple dans l'erreur. Et il a voulu conduire Moab et Israël ensemble, en tant qu'un peuple. Et des milliers sont morts le même jour. Et nous avons vu que, par exemple, un Israélite avec une Madianite est allé dans le camp d'Israël. Vous connaissez les Écritures. Nombre chapitre 25. C'est ce qui s'est passé. Combien de sang a coulé parmi le peuple d'Israël? Vous voyez? Dieu a permis cela. Dieu a permis que Balaam aille et souille le camp d'Israël et l'affaiblisse. Et par cela, beaucoup de péchés est entré dans le camp. Et de l'adultère et du mélange. Dieu permettra cela. Même si parmi le peuple d'Israël, parmi le peuple de Dieu, il y a une faiblesse et de la souillure et du péché dans tout le camp. Et ensuite est venu Kadesh Barnéa dans le chapitre 13 de Nombre. Et malgré tout, ils ont continué à faire ce qu'ils voulaient et n'écoutaient pas. Quoique tous les jours, ils recevaient de la manne et ils ont bu l'eau du rocher et ils voyaient les miracles que Dieu faisait. Mais à Kadesh Barnéa, dans Nombre 13, mais quand ils ont prêté l'oreille à cette fausse doctrine qui était venue parmi eux, par Balaam, ils avaient de la réussite. Mais eux, ils ont été affaiblis. Aujourd'hui, il y a des millions de bâtiments. Des millions de bâtiments. Ils ont des œuvres. Ils vont bien, ils réussissent. Leur ministère réussit. Mais qu'est-ce qui se passe avec le peuple? Si ça n'est pas en accord avec la parole de Dieu, sortez du milieu de ces choses. N'a rien à voir à faire avec ces choses. Et il s'agit de la parole, et pas seulement d'une seule parole, mais de chaque parole. Car si vous ôtez une seule parole ou bien vous ajoutez une autre parole, vous savez ce qui se passe. La parole est venue à lui. Mais à cause de cette grande opposition qu'il avait, il a regardé, le peuple d'Israël semblait être moins fort que l'adversaire. À Kadesh Barnéa, les adversaires avaient des épées, ils étaient revêtus d'armure, mais il y avait Caleb et Josué qui sont venus. Ils ont dit, nous sommes plus que vainqueurs, à cause de la promesse de la parole de Dieu. Ils savaient que Dieu l'avait dit, et que c'était sa volonté parfaite de leur accorder ce pays. Mais les hommes se sont donnés à d'autres choses, étaient trop faibles et trop lâches pour se tenir seulement dans ce que Dieu a dit. Et malgré tout, Dieu va permettre que vous viviez et allez dans sa volonté permissive. Vous direz, mais frère Branham, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, et je chante dans l'esprit, etc. Oui, il le permettra. Vous dites, mais je porte des pantalons courts et des jupes courtes, et je suis en Christ. Mais attendez, qu'est-ce que la Bible dit sur cela? Vous êtes une pierre d'achoppement pour d'autres. Qu'est-ce qui se passe avec ces jeunes filles? Bientôt, vous allez seulement avoir que des jeunes parmi vous qui sont mariés comme Jébel, comme Jézabel. Oui, extérieurement, vous aurez de la réussite. Et vous êtes inspiré, bien sûr. Vous pouvez aller dans sa volonté permissive au lieu d'aller dans sa volonté parfaite. Quoi qu'il vous bénira et qu'il vous bénit. Vous voyez, Israël, pendant 40 ans, il était dans le désert. Ils se sont mariés, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient. Ils donnaient leur dîme et buvaient
de l'eau et manger de la manne, mais ils sont tous morts dans les déserts. Parce qu'ils n'étaient pas demeurés dans sa volonté originale et dans sa parole parfaite et originale. Dans sa volonté parfaite. Ils ont fait que tourner autour, et ils n'allaient plus de l'avant. En deux jours, ils auraient dû déjà être dans le pays de la promesse. Et ils ont voyagé pendant 40 ans et ils ne sont pas rentrés dans le pays de la promesse. Oh, que Dieu puisse nous faire grâce, que nous puissions revenir dans ta parole originale, dans les Saintes Écritures. Dieu demeure dans ta parole, Dieu est dans ta parole. Et nous voulons demeurer dans les Saintes Écritures, car Dieu ne changera pas son plan original. Combien de Balaam sont ici aujourd'hui? Mais il y en a qui ont les pensées du Christ, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 2, verset 16. Ils ont de la réussite, bien sûr, ils parlent en langue, etc. Ils font ceci, ils font cela. Mais toute l'église, tout le peuple de Dieu est souillé par de telles choses. Pourquoi est-ce que vous le faites? Pourquoi est-ce que vous faites ceci et cela? Et ils disent, oh, mais cela ne te regarde pas. Tu as seulement été appelé pour prier pour les malades. Tu dois seulement prier pour les malades. Comment est-ce que je peux enseigner sur les dons de l'esprit? Et si vous n'avez pas compris encore le ABC, nous devons d'abord commencer avec le ABC. Nous devons commencer là où nous avons dévié. Chaque parole de Dieu, nous devons l'accepter. Vous voyez, Balaam a fait en sorte que l'église de Dieu, autrefois, par le mariage, se souille et se mélange avec les peuples étrangers. C'est comme ça encore avec les faux docteurs d'aujourd'hui. Et ils veulent apporter toutes les organisations dans toute la presse, dans la prostituée d'Apocalypse 17. Ils disent, nous sommes tous des chrétiens. Ils laissent le pape faire ce qu'ils veulent et ils font des compromis. Et déjà maintenant, parmi les protestants, ils donnent aussi l'hostie lors du souper du Seigneur et ils ferment les yeux et ils disent, si vous le faites, fermez les yeux, c'est pas important. Jésus-Christ a brisé le pain, pas un hostie, comme ça, en forme de soleil, du Dieu soleil et du Dieu de la lune. C'est quelque chose qu'ils ont consacré pour le Dieu soleil. Non, c'est un pain brisé qu'on distribue. Mais cette grande prostituée d'Apocalypse, chapitre 17, elle est prête, n'est-ce pas, à introduire parmi le peuple de Dieu toutes ces fausses doctrines. Plus de 900 différentes organisations existent et ils essayent d'apporter l'union. Non, mais ils ne veulent pas revenir à l'union originale, tel que le Seigneur l'a dit dans Jean 17. Dieu ne change pas ses pensées de sa parole. Il a dit, moi en eux, pour qu'ils soient un. Et il a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles demeureront dans les mains. Aujourd'hui, ça dit que Christ soit en nous, l'espérance de la gloire. Il n'y a pas une autre union. Ils sont en train d'essayer de faire autre chose, mais Dieu ne change pas ses pensées de sa parole. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole demeure éternellement. Il ne sera prise, ne se brisera pas. Regardez la politique, regardez les églises. Comment est-ce que la politique et les églises s'unissent? C'est la politique dans les églises. Nous nous sommes unis en Christ par le baptême du Saint-Esprit dans le corps du Christ. Et si l'Esprit de Dieu habite en vous, alors vous allez dire amen à chaque parole de Dieu. Celui qui ôte une parole, mais qui ajoute une parole, ça veut dire que ta part a été ôtée de l'arbre de vie. Vous ne pouvez pas apporter un jugement selon ce que vous voulez et votre façon de voir. Le monde, ils vont bien, ils ont de la réussite. Voilà, on a de la réussite. Nous pouvons que juger les choses selon Dieu et en accord avec sa parole. Tant que vous vivez, n'oubliez pas, Dieu ne changera jamais ses pensées sur sa parole. Il vous permettra d'aller comme vous voulez, mais lui, il ne changera pas son plan. Vous devez changer vos pensées, que le méchant abandonne ses voies et revienne à l'Éternel. Vous devez, et même vos expériences avec Dieu, doivent être en accord avec les expériences des premiers chrétiens. Ce n'est pas Dieu qui va changer ses paroles et pour les ajuster à vos expériences. Vous devez ajuster vos expériences avec la parole de Dieu. Que vous ayez de grandes assemblées et vous êtes des hommes vus et riches et que vous avez de la réussite dans votre ministère et vous avez beaucoup de membres. Qu'est-ce que la Bible dit à cela? Est-ce qu'il n'est pas écrit dans Apocalypse 17 de cette grande prostituée qu'elle est riche et qu'elle est parée d'or, etc.
Mais où est ce petit groupe? L'église de Jésus-Christ, l'épouse. Où est ce petit troupeau? Oh, que le Dieu éternel, le Père éternel, puisse vous conserver fidèle. Ne sortez jamais des Écritures. Restez dans les Saintes Écritures. Même si votre mère, si vos parents, vos mères et vos enfants ont été guéris et sont bénis, n'oubliez pas, le soleil et la pluie brillent et tombent sur le même champ, sur la même semence. Mais si c'est la parole de Dieu, elle produira la parole de Dieu. Chaque semence produira selon son espèce. Les vrais et la semence originale reçoivent la même pluie et le même soleil. Mais c'est le fruit qui parle plus fort que tout. C'est difficile pour moi de vous d'exprimer ces choses, mais j'essaye de vous dire ce que je sais. Dans les réunions à l'extérieur, je ne peux pas parler de cette manière. Mais ici, à cet endroit, je peux dire toutes choses. Il y a des choses que je ne dirai pas quelque part d'autre. Comme Dieu le conduit, et ce qu'il veut, c'est ce qui doit se passer. Là-bas, je prie pour les malades et je prêche l'évangile. Mais les brebis entendront la vérité. C'est seulement comme ça, un peu de pain qu'on met à l'hameçon. Le Seigneur connaît les cœurs. Il m'a donné le don d'évangéliste pour aller parmi le peuple. Et Dieu m'a donné le don d'enseignement pour parler à ses brebis. Et ses brebis entendent sa voix. Et vous qui êtes ici aussi, faites vos expériences et qu'elles soient en accord avec les expériences des premiers chrétiens. Que tout soit selon la volonté parfaite de Christ. Nous avons souvent chanté ce cœur pentecôtiste. Je suis tellement heureux que le Seigneur m'ait appelé à sortir. Je suis tellement heureux de ce qui m'a fait sortir du monde. Si ce n'était pas Jésus, où est-ce que je serais aujourd'hui? Je suis tellement heureux qu'il m'ait fait sortir de ce monde. Je suis heureux qui m'a fait sortir de ce monde. Je suis heureux de ce qui m'a fait sortir de ce monde. Si ce n'était pas Jésus qui l'avait fait, où est-ce que je serais aujourd'hui? Je suis heureux de ce qui m'a fait sortir de ce monde. Et je peux louer et exalter. Je peux louer et exalter depuis qu'il m'a fait sortir de ce monde. Si ce n'était pas Jésus qui l'avait fait, où est-ce que je serais aujourd'hui? Louer et exalter soit-il. N'êtes-vous pas heureux, frère Branham chante, nous voulons chanter ensemble. N'êtes-vous pas reconnaissant et heureux de ce que le Seigneur vous a appelé à sortir? N'êtes-vous pas heureux et reconnaissant de ce que le Seigneur vous a fait sortir? Si ce n'est pas Jésus, où est-ce que je serai aujourd'hui? Je suis heureux de ce qui m'a fait sortir. Je chante, alléluia, depuis que le Seigneur m'a fait sortir. Je chante, heureux, depuis le jour où le Seigneur m'a fait sortir. Si ce n'était pas Jésus qui l'avait fait, oh, où est-ce que je serais aujourd'hui? Je suis tellement heureux. C'est ce qui m'a fait sortir, lui le Seigneur. N'êtes-vous pas aussi heureux? Nous marchons dans la lumière. Nous voulons entendre ce cœur. Nous marchons dans la lumière. Dans cette lumière glorieuse. Venez où les gouttes de miséricorde de la rosée coulent. Nous voulons persévérer nuit et jour. Oh Jésus, oh Jésus, toi lumière du monde. Aimez-vous pas cela? Nous voulons encore chanter ce cœur. Nous marchons dans la lumière. C'est une lumière glorieuse. Venez là. Oh, les gouttes de la rosée de la miséricorde tombent et brillent autour de nous nuit et jour. Oh, Jésus, toi, lumière du monde. C'est accompli. Oh, vous saints, annoncez Jésus, la lumière du monde. Vérité et miséricorde, vous les trouvez seulement en son nom.
Jésus, la lumière du monde. Levez vos mains et chantons. Nous marchons dans la lumière. Quelle lumière glorieuse! Elle descend du haut des cieux. Là où les gouttes de la grâce coulent et nous remplissent nuit et jour. Jésus. Serrez-vous les mains les uns les autres dans les bras, serrez-vous les mains, que Dieu vous bénisse. La bénédiction est là où nous sommes unis d'un même accord, comme dans la chambre haute, nuit et jour. Bien-aimés enfants, aimez-vous les uns les autres. Nous allons marcher dans la lumière. Oh, quelle lumière glorieuse! Et restez dans ta parole. Venez là où il y a la bénédiction. Et lui autour de nous, nuit et jour. Jésus, Jésus, lumière du monde.